il est important que toute l'opinion se mobilise pour rappeler qu'il y avait des otages en Afghanistan et notamment des journalistes. Et ça, ça me paraît très important parce que comme vous l'avez dit fort justement, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vont chercher l'information, qui recoupent l'information, qui sont capables d'avoir des sources d'informations différentes, voire divergentes, et qui sont capables d'en faire une médiatisation. Je crois que là, c'était leur but, c'était leur objectif, comme ils ont dit fort justement. Nous, on ne pouvait pas rester avec l'armée, sous peine, effectivement, d'être les porte-parole de l'armée, et non plus des journalistes indépendants, des journalistes d'investigation. Et donc, ils ont fait leur travail, et c'est en faisant leur travail qu'ils ont pris, effectivement, un risque. Il faut que les opinions, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer au travers des journalistes qui ont, de leur côté, leur façon de penser, leurs orientations politiques, leurs orientations philosophiques, mais qui ont pour rôle, effectivement, de faire en sorte que toutes les opinions puissent être recueillies et divulguées au grand public. Et voilà ce que je voulais vous dire en décrochant cette banderole qui, aujourd'hui, est un symbole, quelque part, un symbole de la volonté de résister et de la volonté d'informer. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Merci.